Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, c'est RaptorZ, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur Outlast 2. Et donc du coup, nous allons commencer un nouveau let's play sur ce jeu les amis. C'est parti, go! Fameuse caméra. J'arrive pas à changer le diaphragme. Oh là là, ça fait plaisir de revoir ce jeu. Le son sera merdique. Ce jeu. On va devoir. Oh là. Putain, mais qu'est-ce que. Merde. Désolé. Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Oh, que d'émotion. Essaye de prendre max de paysage derrière moi. Ouais, c'est bon. Piano panier, piano panier, piano panier. Ava soupaille. Ava soupaille. Ok. Ici Lynn Lingerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasupai dans le centre de l'Arizona à la recherche des origines de Jane Doe, victime de Lynn, tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort. Ben, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi. Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour toi. Merde. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville la plus... Oh, oh, qu'est-ce qui se passe là? On a perdu le moteur. Merde. Putain. Outlast 2, eh ben dis donc, ça commence super bien. Oh là 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 là. Eh ça y est, le jeu est terminé, on est tous morts. Lol. Alors, nous sommes dans un couloir là. Un casier qui s'ouvre. Tout Jessica, first place, première place. Jessica. D'accord, ok. Ah, monsieur, ça doit être un prof, je suppose. Donc nous allons le suivre. Alors pour la petite précision, les amis, donc nous sommes Blake Lingerman, donc nous sommes un caméraman et assistant, et aussi le mari de donc de Lynn Lingerman, tout simplement. Donc voilà la petite histoire, et donc du coup nous devons faire une enquête, réaliser une enquête, comme vous avez pu le comprendre dans la petite intro qu'il y a eu. On va aller par là. Wow, 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 wow. Pourquoi ça s'est enfermé tout d'un seul coup? Je... Oh, merde, du sang. Nous ne sommes pas seuls. Ah, on se réveille. Après le crash. Vas-y, mon ami, tu peux te lever. Allez, 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 allez. Ah, la caméra, elle est sur le côté. Voilà, puis plusieurs points dessus. Hop, hop. Et hop. Marche toujours. Merde!
Lynn ? Oh, super. Lynn ! Alors, sur le pavé tactile. Oh, la vision nocturne. Oh là là, ça fait tellement du bien. Oh, je suis trop content, les amis, de jouer à ce jeu. Oh, oh. Hop là, c'est parti. Hop. Donc là, on doit hop descendre. Appuyer sur X, oui, pour sauter. Oula. Pour accéder à une corde, déplacez-vous dans cette direction. D'accord, ok. De gauche à droite. Hop, pour descendre. Ok, je dois descendre. Ok, appuyez sur 4. Ouais, les événements importants seront automatiquement enregistrés lorsque le caméscope est levé, d'accord. Lorsque le bouton avec le clignot, cela signifie que vous portez correctement votre caméscope sur l'événement enregistré, d'accord. Caméscope enregistre. Ah ok, donc là j'enregistre automatiquement. Oh merde! Seigneur! Est-ce que... Alors il n'y a pas de corps. Elle est pas ici. Lynn! Lynn! Ok, on a déjà... Ici Lynn Lingerman, pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasupai, okay, dans le centre de l'Arizona, à la recherche des origines de Jane Doe, victime de... C'est bon. Il y a deux semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km. Ok, les amis, là, je suis en train de regarder les extraits vite fait. Elle était pas là. Ah. Le corps de Lynn n'était pas dans l'épave. Elle est peut-être encore en vie. Mais oui, je pense qu'elle est en vie. Utiliser une pile. Ah oui, d'accord. Donc on a un petit inventaire. Ça, c'est ce qu'il y a en plus, d'accord. Oh, bah, c'est génial, tout ça. Enfin, là, pour l'instant, non, c'est pas génial. Ramasser les bandages. Hop. Objectif, trouver Lynn. Ok, d'accord. J'ai déjà plus de... Puis ça commence bien. La pointe sur le côté. Mince. Bon bah on va continuer, peut-être qu'on va en trouver dans le chemin. Ok. Oh, oh, oh bordel! Merde, 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 merde! Non. C'est quoi ça? Non, c'est pas écrasé! C'est de la merde. Oh putain! Lynn! Je me souviens même pas de son nom. Mais quel genre de cinglé écorcherait quelqu'un vivant accroché à un arbre? Ok. Eh ben, effectivement, c'est la merde. On est bien dans la merde, les amis. J'ai hâte de voir les nouveaux monstres. Hop, appuyez sur F. Ah, pour zoomer. Ah, d'accord, on saute directement comme ça. Ok, super, super, super. Ok, d'accord. Alors, on continue. Tu descends tranquillement. Waouh! Une ville. Dieu merci. Je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Ok. On est censé être à des kilomètres de quoi que ce soit. Mais j'étais pas seul là-bas. Oh, bordel. Non, j'étais pas seul. Eh ben non, petit Blake, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Tac, 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 tac. Alors, on continue par là. Hop. On escalade. Oh, mais ça, c'était pendant la démo. Y'a quelqu'un? Je suis perdu. Et blessé. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Ok, y'a personne. Super. Bon, là, ça a l'air désert, les amis. Il n'y a rien sur le côté. Non, il n'y a que dalle. Courir pendant un certain temps vous épuisera. Ah oui, d'accord. Comme dans la vraie vie, quand tu cours à un moment donné, bah, tu sens que t'es essoufflé, tout simplement. Voilà. Putain, j'ai entendu un bruit, j'ai eu peur. Oh là là. Puisque l'objectif est de retrouver. Hé, hey, y a quelqu'un! S'il vous plaît! Je suis rentré chez les gens comme ça.
Hey, monsieur. Oh, monsieur. Oh, merde. Oh, merde, il est... Il est mort. Il est mort, mon ami. Oh, waouh, je ne peux pas supporter ce que nous avons fait, ni d'être ici par nos enfants. Je m'en vais en espérant que tu me pardonneras de te laisser seul et que Dieu me pardonne de cette dernière enfance. Je sais que nous deux devions les offrir, mais je suis déchiré à l'intérieur et je ne peux plus vivre. Avec un peu de chance, la fin est proche et nous serons réunis une fois de plus, à moins que Dieu ne m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché. En attendant, j'espère que tu trouveras tout le réconfort dont tu as besoin dans les bras de papa Knot. Toi, pour tout. Bonjour. Mon dieu, c'est horrible. Oh là 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 là. Et donc du coup... Oh, une pile. Ah, oh, génial, j'en avais besoin, justement. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Ah, c'est la première fois. Ok, tu dis l'objectif en plus. Ça, c'est génial. Ah oui, on l'a pris en photo en plus de ça. Ok, bah super. On va pas rester dans le coin. Et oh là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et moi comme une andouille, je... Bonjour. Qui? Bonjour monsieur, vous avez l'air d'être normal, enfin... Oh ouais, putain, c'est quoi ce qu'il y a là? Ah, j'ai cru qu'il y avait une sorte de dessin avec du sang. Oh punaise! Oh mais qui a tué ce... Oh, dégueulasse! Se cacher. On peut se cacher là-dedans? Oh là là. Il y a des nouvelles cachettes et tout. C'est vraiment... Genre, est-ce que je peux m'accouvrir? Ouais, carrément, punaise, c'est super bien fait. L2 ou R2. Ah, on peut regarder comme ça. Et aussitôt... Oh la vache, c'est qu'on devra... se cacher de quelque chose. J'ai entendu un bruit. Wow, 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 wow. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez ouvrir? Cher Père notre Dieu aimé de continuer de bénir de ses visions, d'accord? Et je suis plus certaine que l'ennemi approche avec chaque jour qui... Bah, je nettoyais les taches du plancher de la chambre de Daniel lorsque la musique bénie m'a traversé pour me plonger au cœur d'une vision. J'y ai vu une créature comme un soleil brûlant, avec des anneaux d'oranger dedans et sous elle des membres bas, longs que je pensais être des bras, mais qui étaient en fait des queues qui s'irritent. Gay pour procréer. Et ce soleil monstrueux descendait pour baisser la terre et donner naissance à une énorme aurore traînante née des flammes. J'étais rempli de crainte, une crainte si grande que je ne pouvais plus respirer ni bouger. Et je me voyais toutes ces années en arrière en train d'aveugler Daniel avec de la soude et j'essayais de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Je me suis réveillé mouillé de convoitise douloureusement, désir. Heureuse de sentir un homme à l'intérieur de moi. Et ce sentiment n'était pas si différent de la peur. J'ai essayé de me consoler avec vos enseignements. La terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu. Mais je trouvais un réconfort encore plus grand avec votre virilité dans ma crevasse. Et une forte prière que l'antéchrist s'étrangle dans mon ventre. Le membre le plus fidèle de votre troupeau empli d'un désir saint, Lisa. Ok. D'accord. Ok, donc là-dedans... Donc, ok, dans cette lettre, il y a une histoire avec Dieu. Ok. Ah, une... J'ai vu une petite... Ouais, une petite pile, c'est bien ce que je pensais. Super. J'en ai combien? J'en ai deux sur moi. Dont une qui est presque sèche, puisque je suis en train de l'utiliser, évidemment. Carré pour voir là. Oh putain! Qu'est-ce que t'es en train de filmer là? J'ai eu peur d'un corbeau. Oh mon dieu. J'ai eu peur mais... Oh, c'est dégueu. Je vois pas... Oui d'accord, c'est chelou mais... Je vois pas ce qu'il y a vraiment de dégueu. Chelou, oui d'accord, mais... Je sais pas trop ce que t'as filmé là en fait. T'as juste filmé ça en fait. Garni de fil de fer barbelé.
Je pouvais sentir la tension dans ma peau. Quelqu'un me regardait. Quelqu'un me regardait ? Bizarre. Bref, on va aller là-dedans, les amis. Qu'est-ce que nous avons là ? Rien du tout. Ok, d'accord. Tac, tac, tac. Il n'y a rien ici. Déverrouiller la porte et puis sortir. Ok. Appuyez sur O pour vous accroupir. Ok, d'accord. Ouais. Il y a des bruits là qui sont. Qui se. Comment dire. Qui se manifestent là tout autour de moi. Oh. What the fuck c'est. Oh là 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 là. Satanas inimical Dei. Satan, quelque chose, Dieu. C'est pas le corbeau qui nous a fait peur par hasard? Petit futé. Alors remarque, j'avoue, il est super, c'est super bien fait. Rien à dire. Alors ouais. Wow, où est-ce qu'on est là? C'est quoi ça? Complainte de sage femme. L'enfant arrive, prépare ton couteau. L'enfant arrive, sage femme de nuit. Mère ressouillée de l'intérieur par l'ennemi, création de Dieu sauvée par le péché. Alléluia, tant que la tempête passe, nous devons plus attendre. L'ennemi sera né à l'aube pour mourir. Temple Gate, l'enfant grandit, son ventre grossit, l'enfant grandit, venu des ans. Faire les NZ. Chelatan et Aegis de Salam rassemblent à la porte, nous prions à genoux. Refrain, etc. etc. Alléluia, mais ok, ça doit être une sorte de poésie ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui. Oh! Oh! Merde! Non, c'est des. C'est des bébés. Putain, c'est des bébés! Oh! Ah, je marche dessus, dégueulasse! Oh mon dieu, des bébés, des enfants! Mais what the fuck? What the fuck? C'était des bébés! Les balançoires. Hop, faire de la balançoire! Allez! On continue par là, je crois. Je crois, oui. Sauvegarde. Hop. Qu'est-ce qui parle là? Ça ne me dit rien de bon là, les amis. Je sais pas qui est-ce qui est en train de parler là. C'est quoi ça? Cette conne blasphématoire du pasteur graine de moutarde. Graine de moutarde? What the fuck? C'est quoi ça? Ça c'est une recette de cuisine? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi ça? C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ok, ok, si tu veux. Oh putain! Cours! Je sais pas ce que c'était, mais... Ferme la fenêtre, s'il te plaît.
C'était quoi ça? Donc du coup je vais prendre les bandes. Je peux pas ensuite. On peut pas ouvrir, d'accord, ok, donc c'est fermé. Donc du coup je crois qu'il faudra aller ailleurs. On va aller par là les amis. Oh vite 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 vite. Oh j'ai entendu, mais c'est quoi ce monstre? Je sais pas qui c'était, mais il avait pas l'air, enfin elle n'avait pas l'air amicale. Je pense pas qu'elle était là pour la paix. Hop là, voilà. On va aller par là. On va y aller tout doucement, les amis. Je pense que c'est le meilleur moyen pour l'instant. Bon, 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 bon. Eh ben voilà, t'as perdu tes lunettes. Bravo, Bob. Bravo, mec. Sans déconner. Pourquoi tu as des lunettes, mec? Oh là là. Dieu, veux-tu de lui? Dieu. Dieu veut que je meure? Ok. Oh putain, c'est quoi ce machin? Une petite pile, j'ai trouvé. Je suppose que la suite doit continuer par cette fenêtre. Alors, juste avant, il n'y a pas quelque chose par là? Non, que dalle. Ok. Donc, on va continuer, les amis, tout doucement. Sauvegarde. Ok, d'accord. Donc, du coup. Alors, on peut encore se cacher là, pour vous cacher dans les plantes. À la hauteur de, à hauteur de taille. Ok, d'accord. Ok. Ok, ça permet d'entendre le. Les. Comment dire, les différents sons, enfin, surtout les bruits qu'il y a autour de nous. Oh putain! Je suis plein de la fureur de l'éternel! Non, s'il te plaît, laisse-moi. Oh là 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 là! Cours, cours, cours! What? S'il te plaît, papa! Oh mon Dieu! Papa, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh. What the fuck? Bon, écoutez, on va continuer, les amis. Comme s'ils étaient. Comme s'ils étaient hypnotisés. Ouais, surtout comme s'ils étaient devenus aveugles, bien sûr. Pourquoi devons-nous courir? Pourquoi devons-nous courir? Mon amour essaie d'être aussi fort que si papa nous dit à chaque. Mais ce que Dieu nous rappelle nos péchés dans nos rêves, et nous devons faire face à nos péchés si nous voulons faire ce qui est juste devant Dieu. Si les visions, pire est que nous rêvons lorsque nous sommes éveillés, cela signifie plus simplement que les tribulations, approchent et qu'elles nous sont difficiles de notre voie. Pour le paradis de l'autre côté, Dieu nous aime et nous donne jamais plus que. Nous pouvons le supporter, tout à toi. Lynn. Oh merde. Tomber du ciel comme un ange rebelle. Qui il parle de quoi là? Oh, Céline. Silence, mon enfant. Tu as déjà révélé que ta langue ne servait à rien d'autre que mensonge. La vérité de Dieu est ici. Rejoins-nous. Oh là là, ils sont en train de faire gueuler, Lynn. Dieu, j'impose les mains
semblant de pécheur et te demande de révéler la vérité. Priez avec moi, mes enfants. Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, guide ma main. Trouvez Lynn. Il n'y a que ça qui compte. C'est énorme. Une sorte de Vatican de taré. Comment tout ça pouvait se trouver ici sans que personne ne le sache? C'est pas possible. Ok les amis, donc on va continuer et vite. Ok, nous sommes arrivés ici. Qu'est-ce que nous avons? Alors, chapitre 11. La percée de la chute de l'enfer approchait et l'air nocturne chantait avec les lames aiguisées des couteaux de sage-femme. Et les ennemis craignant même dans sa prise. Sont touchés le cœur du disciple le plus cher et la plus fidèle de celui. Vent, il était connu sous le nom de Val sur un rebelle au cœur non circoncis. Ok, 9. L'esprit de Val est descendu parmi les deux nés et ceux qui étaient haïs de Dieu pour commis. Nien, pour commis. Nien, ou les ennemis et se les nien dans la semence et de l'agneau aux yeux et haïs. Valatra, il temple Gate et Dieu et même celui Vogno qui aimait sur véritablement et guiderait les élus jusqu'au salut. Et Dieu dit que Val et tous les hérétiques souffrent mille tours. Mille tortures. Ré et qui le connaît. C'est sept fois cette souffrance et. Et cette honte avant leur mort et dans l'éternité. Ok, d'accord. Déverrouiller. Et ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons par là? Qu'est-ce que nous avons par là? Tenez-moi, pauvre fille, j'ai l'impression d'entendre Golou. Je t'en prie. Je ne dois pas connaître le chemin. Toi seul dois le connaître. Oh là là, pauvre. Paul, je sais que je ne veux pas que de t'écouter, je voulais que tu me racontes une histoire qui m'inquiète et que j'espère n'être qu'une création de mes bords, le chef et le septième pour pas les venir me voir avant l'aube ce matin avec neuf qui n'a pas complètement expliqué le valsant. Les vouloir offrir quelque chose au caractère sexuel et le secret. Mais par ma connaissance, Val et deux, son caractère, j'y arrive pas à lire, il est en train de gueuler, laisse-moi lire s'il te plaît. Je prie terrible. M'en peur et j'ai refusé son invitation. Val ne m'en a pas expliqué davantage et dit seulement qu'il y a des endroits de nos cœurs que papa Knot ne peut pas toucher. À dire vrai, Val semblait plus intéressé par d'autres endroits de mon corps. J'ai demandé à Val de revenir ce soir pour me laisser le temps de réfléchir, mais uniquement pour que Knot puisse envoyer quelques hommes de caractère afin qu'ils observent secrètement et leurs propres yeux ce que je soupçonne être un blasphème et une trahison et qu'il puisse les couper, je crois que c'était un terre, oh là là, qu'il puisse les couper à la racine avant que le mal soit fait. J'espère que papa peut m'aider car je suis terrifié. Roide. Ok, une lettre en plus. J'espère que c'est pour toi qu'il l'avait écrit. Ok. Allez, vas-y. On va continuer donc par ici. Wow. Laisse-moi tranquille. Papa, je ne suis pas retourné contre lui. Je ne suis pas retourné contre lui. Je fais tout ce qu'il m'a dit. Je ne crois pas. J'aime pas. Vas-y, ouvre ça. Où est-ce qu'on est là? Ici c'est fermé. Ici nous avons une pile. Hop, voilà. Ok, maintenant les amis, nous allons continuer. Doucement, tranquillement.
pouvez vous cacher dans les armoires, ok. Oh zut, oh. Et... C'est Lynn qui est en train de crier là. Oh putain. Oh merde, Lynn. Lynn. Mon dieu, Blake. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, ils vont partir. Là. Oh oh oh. Avance toi, dépêche. Et on rejoint ta bien-aimée. Allez. Lynn, où est-ce qu'on va? N'importe où, mais restons pas ici. Oh. Elle me tient la main, oui. Oh, oh mon dieu. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. J'ai mal. Il y a quelque chose qui va pas. Merde. Bah, qu'est-ce qu'il y a pas? Je comprends pas, là. Dis-le nous, Lynn. Allez, allez, allez. Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh, mon dieu. Bordel de merde, Lynn! Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça, je peux pas en parler. Lynn. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Notre foi a été confirmée. La femme venue. Lynn enceinte. En ce jour, à ton guet, a apporté l'immonde pardon que nous avons tant attendu. Elle couvre un enfant dans son ventre. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. Je ne sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn, je t'en prie. Blake, je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Arrachez le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons. La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié. Oh mon dieu. Allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, je lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non, non. Dieu veut l'enfant. Non. Oh putain. Dieu veut l'enfant. Fils. Dieu veut l'enfant. Non. 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 Heretics! Heretics! What the fuck? Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père, et c'est ton dieu à mort. Tout va bien, petite. Mon dieu de merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec elle. Oh là 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 là. C'est quoi ce bordel? Et puis là, on est comment dire. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Ah, carcon! Oh, dégueulasse. Eh, wow, 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 tu arrêtes ça, ok? Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Oh, punaise. Oh, là, là, ils m'ont foutu
un coup juste avant de partir. Oh le salopard. Lynn! Putain de merde, mec, t'es. Blex, t'es complètement. T'es étourdi. Mon Dieu! Oh Seigneur! Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Et y a pas que la secte. Y a deux camps. Les chrétiens et. Les hérétiques? Ça doit être. Autre chose. Bon écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo sur Outlast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouvera dans de nouvelles vidéos les amis. Et je vous dis à bientôt les amis, ciao les amis, à bientôt, ciao.